Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, ça va nickel. On se retrouve sur Anno 1800, la bêta ouverte, qui est disponible sur le Ubisoft Store, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc, on va découvrir le jeu ensemble. Je viens juste de l'ouvrir. Donc, on va faire un nouveau jeu. On verra bien ce que ça nous réserve. On va partir sur la campagne. Les anneaux, je les ai tous faits. Donc normalement ça va, mais bon, on va peut-être partir sur plus de conseils pour voir un peu les nouveautés de ce nouvel opus et pour me remettre un peu dans le bain aussi, puisque ça fait un petit moment que j'ai plus joué. Donc on est parti. Alors, on va commencer par choisir un portrait. Donc un avatar en sorte. Pourquoi pas le commandant? Ouais, moi j'aime bien le commandant, même il est un peu vieux, mais il a un peu la même coupe que moi. Bon, avec un peu plus de barbe et un peu plus de cheveux sur les côtés, mais pas de soucis. Alors, ensuite, le phare, j'aime bien. Le phare ou le bateau? Le phare, je pense que... Ouais, le phare. Les couleurs bleues de Marseille. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y en avait plein d'autres. Qu'est-ce que j'ai? Oh, il y en a des sympas, hein. Non, j'aime bien le phare, ça me fait penser à la bonne mer, à moins que je mette un bateau. J'aime bien le phare. En bleu. On va garder ce bleu là. Le nom du joueur. Joshua. Et on va se mettre en normal pour commencer. Le dernier anneau que j'ai fait, c'était le 2070, parce que j'avais beaucoup avancé sur le 207, je crois. 2000, c'était ça. 2205, j'avais bien avancé dessus. Et quand j'ai eu un problème avec mon PC, j'ai tout perdu. Donc j'avais un peu la flemme de tout reprendre. Parce que le anno 2205, c'était une campagne très linéaire. Il n'y avait pas de mode bac à sable ou quoi. Et donc. Je voulais rejouer un anneau et j'ai rejoué au 2070. J'aurais pu faire le 1404, mais voilà, j'avais choisi le 2070 parce que j'y avais pas beaucoup joué à celui-là. Je l'avais un peu moins aimé que les autres, mais voilà. Pour la petite histoire, sachant que mon anneau préféré, enfin mon premier anneau, c'était le 1701 et c'était donc mon préféré, vu que je pense que c'est parce que c'était le premier. Voilà. Anno, à savoir que ça a toujours été des jeux très très beaux. Bon, là, j'ai pas un PC de ouf, puis on est sur la bêta, donc je l'ai laissé en maximum, je crois, ou en ultra. Je sais pas vraiment comment c'était, mais c'était bizarre. Mais bon, je pense qu'il bon, ça, il a pas l'air moche quand même, hein. Alors, ouais, déjà ça rame un peu, donc je pense que je vais pas augmenter les comment ça s'appelle ça? Les graphismes. Ah, parce que je suis un peu, on verra pour les graphismes. Alors, j'ai un bateau de pêche. L'objectif c'est quoi? C'est d'aller vers le phare pour coloniser une île. Ça me fait un peu penser à Guarma sur Red Dead Redemption 2. Bon, il manque le fort ici avec le pont et tout, mais ça me fait un petit peu penser. Alors, indique que voulez-vous. Voilà la tour.
Le tout c'est de garder ses distances, mais c'est quoi qui veut qu'on fasse péter? Je comprends pas vraiment là. Récupérer le bâton de dynamite au phare. D'accord. Et j'en fais quoi de la dynamite? Ah, je vais pêcher à la dynamite, mais ils sont joués au bord. C'est des fadas. On va voir ce que ça donne, hein, mais. Je veux bien, moi, hein, mais bon. Je vais l'envoyer là. On pêche à la dynamite. C'est. Ouais, c'est original, hein. Bon, du coup, les poissons, bien évidemment, ils sont barrés. Boum. Voilà, là j'ai été efficace là. Deux bâtons, trois bancs de poisson. Faut que j'aille la revendre. Faut que j'aille revendre mes poissons. Pas de soucis. On peut zoomer jusqu'à où? Moi, c'est déjà pas mal. Il doit être dans un sacré état le poisson. Ticket pour l'ancien monde. Alors là, donc je suis dans le nouveau monde. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ça doit être une cinématique. Et je vais. On va vraiment retourner en Europe dans ce bateau là? Mon PC commence à être un peu vieillissant. J'ai. Bon, ma carte graphique, je sais pas, mais mon processeur, c'est un i5 2400, donc il fait vraiment vieux. La carte graphique, d'ailleurs, je l'avais changée justement pour Anno 2205. Et j'ai une AMD Radeon R7 370 à 4 Go dédié au jeu. Donc je pense que la carte graphique, ça va. Je pense plus que c'est le processeur qui pêche un peu. Mais si j'avais regardé si je voulais changer de processeur en avoir un qui colle avec le temps moderne, il fallait que je change tout le PC presque. Donc parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, on est plus sur des AMD par rapport qualité-prix. Et un AMD, il fallait du coup que je change ma carte mère, donc que je change aussi mes RAM, et c'était pas. Enfin, c'est pas d'actualité quoi, je verrai par la suite, mais bon. Tant que les jeux tournent. Après, si vraiment les nouveaux jeux qui sortent là, comme Anno par exemple, ont du mal à tourner, je verrai, mais bon. Donc 1800, on est vraiment en pleine révolution industrielle, là on peut le voir. Ça me fait un peu penser à Assassin's Creed Syndicate. Je peux pas passer. Oh, le château, magnifique. C'est un château ou c'est une église? Ah, ça a l'air d'être une église. C'est ça, c'est une église avec un cimetière, franchement, c'est super beau. Il n'y a pas grand monde à l'enterrement. Un chaleureux accueil.
Ditchwater. Ça fait vraiment britannique. À mon avis, je pense que c'est ça. Hein. On doit être des Anglais. Chapitre 1. Les contes des deux frères. C'est les frères Grimm. Là, c'est vraiment moche. Enfin, moche. Quand je compare avec le Anno 2205, peut-être parce que c'est la bêta, je vais essayer, vous savez quoi, je vais essayer de monter les paramètres au niveau graphique. Ah voilà, j'étais en maximum, après il y avait super maximum, ultra, moi je vais mettre en personnalisé, donc la qualité des textures, je suis à fond, d'accord. L'éclairage, je vais pas trop jouer sur ça, l'eau non plus. Enfin, j'étais bien en fait, un maximum. À mon avis, c'est parce que c'est la bêta. J'attendrai d'avoir le jeu pour voir justement niveau graphique ce que ça vaut. Bon, après, ça va quand même. Alors. Donc le but d'Anno, c'est de... Oh, c'est pas mal. C'est de fonder une civilisation, une ville. Enfin, une ville, même des villes. À travers plusieurs îles et plusieurs continents. Et tout est basé sur des mécaniques de gameplay autour du bonheur des citoyens et de leurs besoins. Donc déjà, il faut que je place un marché. C'est ce qui va... Avant, ça s'appelait des centres-villes dans les anciens anneaux. À mon avis, c'est ce qui fait office de centre-ville, le marché. Alors, dans les anciens, il fallait que toutes les maisons soient reliées par un chemin. À voir si dans celui-là, c'est toujours le cas ou si on est un petit peu plus libre. Là, je me suis trompé, c'est top. Apparemment en mode normal, je récupère tout ce que j'ai posé. De ce que je vois, ah ça c'est des plans, oui, j'avais entendu parler de cette nouveauté. En fait là la maison elle est pas posée parce que j'ai pas assez de ressources. Mais dès que j'aurai les ressources nécessaires, elle va se poser. Ah si, il faut bel et bien une route à chaque maison, ça je m'étais dit je m'étais dit une bonne nouveauté, c'est cool, on s'est affranchi de cette chose-là, mais apparemment non. Alors, une maison, c'est 4, donc... Une, deux, ah non, c'est 3 les maisons. Donc là, j'ai une maison, et c'est ça. Donc la deuxième... voilà, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Ah bah c'est bon, ça rentre. Ça rentre, ça rentre. Par contre, j'ai ça en plein milieu. J'avais pas regardé. Avoir 50 fermiers, oui, je veux bien, mais il va peut-être me falloir du bois du coup. Minute 30, 1 minute 40, qu'est-ce que c'est que ça? Pour l'instant, c'est un peu poussiéreux tout ça. Oh! Les journaux, ça, il me semble que de mémoire, ça y était pas dans les anciens. Édouard le Sauveur, qui parle d'une nouvelle ère après la fâcheuse trahison de son propre frère, donc je pense que c'est moi, c'est nous. Voilà, c'est ça. C'est nous. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit entrepôt que je pourrais mettre ici.
Le bois, il va me falloir une scierie que je vais pouvoir mettre, pourquoi pas. J'ai pas forcément envie de la mettre à côté parce que j'ai peur que ça réduise ma zone. Ouais, je vais la mettre là. Bah, les animations ont l'air pas trop mal, hein. Bon, après, c'est pas vraiment dans le détail, dans... si on est perfectionniste. Mais bon, moi, ça me plaît, c'est un peu plus vivant que les anciens, du moins, pour l'instant. Il faut que j'explose un quartier résidentiel en une ruine. Je pense que je vais faire péter celui-là. Alors, quartier résidentiel en ruine, je comprends pas trop là. Ah, c'est celui-là qu'il faut que je fasse péter en premier. Après, la ruée sur l'étain, l'endroit est tombé en ruine. Ah, ben voilà. En fait, il suffisait d'appuyer dessus. Je récupère le bois. Bah, le poisson, oui, je veux bien, j'en ai mis. Ouais. Tac. Alors, je sais pas si niveau route, il pouvait marcher le long du port. Mais bon. Dans le doute, pour l'instant, je mets une route, on verra bien après. Ça, c'est les parts, ça, c'était présent sur Anno 2070. C'est pas mal qu'il ait remis, c'était un bon élément de gameplay, je trouve. Puis ça va avec l'ère industrielle, je pense. C'est pas mal par contre tout ça, hein. On les voit un peu construire le port, transporter les matériaux. Ah, c'est pas mal, hein. Par contre, pourquoi... Ah, en fait, une fois que c'est en mode architecture, ça se construit pas tout seul. C'est à moi d'aller appuyer dessus. Pourquoi pas? Je le savais pas. Donc là, ce qui va me manquer, c'est du bois, des planches. Le marché, ils vendent du poisson. On pourra vendre par la suite de l'eau de vie et des vêtements. Lui, c'est pareil. C'était le mode. C'était un blueprint. La scierie, elle a l'air de produire à 100%. Donc on est bon. Ça produit aussi à 100%.
Cette île, elle a été ravagée, je pense que ça doit être un incendie. Un incendie qui l'a ravagée. Énormément de brume. Les arbres, c'est un peu clairsemé, il y en a pas mal par terre. À mon avis, ouais, il y a eu un gros incendie sur cette île. Un village. Niveau bonheur, pollution, conditions de travail, la paix, nouvelles, luxe. Il leur faut de l'eau de vie. Il y a beaucoup de plus de choses que dans les anciens. Hein. L'eau de vie, apparemment, ça se fait avec des patates. Champs de patates. Est-ce que j'ai possibilité de tourner mes bâtiments? Oui, avec virgule. Je vais peut-être pas le tourner si après je souhaite repartir là. Et mon champ, c'est comme dans Anneau. Tiens, c'est pas mal là ce principe. J'avais vu que ça avait changé, mais pas à ce point. Je suis vraiment satisfait. Pour la petite anecdote, dans Anno 1270, c'était des carrément des champs, enfin c'était des carrés, on pouvait pas vraiment les modifier. Ah, il est sympa ce champ. Débloquer le quartier commerçant. Je veux bien. Il suffit juste de cliquer dessus, construire un petit dépôt et établir une connexion routière. Où est-ce que mon petit entrepôt, je vais le mettre ici. Continuer. C'est vachement bien, je trouve, c'est... La grille, ça y était pas avant. Comme ça ici, je vais pouvoir faire mes champs. Ah non, là c'est de l'élevage de moutons, d'accord. Comment ça marche? Bon, j'en ai placé deux côte à côte, c'est pas ce que je voulais faire. Ah voilà, là cette fois c'est des parcages. Là pour le coup c'est comme dans les anciens anneaux. Une fois que j'ai mes champs, je peux mettre des fabriques de tissus. Je vais les mettre ici. Tac. Voilà. Comme ça, là, je vais pouvoir mettre d'autres champs, pourquoi pas. Ah, c'est cool, ça les a tous regroupés. Alors, je sais pas si les moutons, c'est... vont de... D'un parc à l'autre, ça m'étonnerait un peu, mais bon, c'est déjà bien, au moins on n'a pas les barrières en plein milieu. La caserne de pompiers en taille. Ah ben, nickel, elle rentre pile là. Alors, ce que je vais faire. Pourquoi je peux pas? Ah mince. Je suis désolé pour ceux qui habitent là, mais c'est la caserne de pompiers que je vais mettre ici. Oh, un pub! Oh, trop bien. Oh, j'aime trop. Oh, et en plus, il rentre pile ici. Ben, je vais mettre le pub ici. La caserne de pompiers, je vais la mettre là. Oh, le pub, c'est trop bien. Ça, les choses comme ça n'était pas dans les anciens. J'ai quoi d'autre? J'ai des parcs. J'ai des jardins. Oh là là, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'aurais pu le mettre ici, du coup. Bon, je vais voir pour la suite. Il me manque par contre beaucoup de main-d'œuvre. Ah, je peux faire ça. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, je me suis trompé. Démolition, c'est ce qui me semblait que c'était pas comme il faut.
Voilà. Bon bah du coup pour le coup ici normalement je vais pouvoir construire ça, donc je vais pouvoir même mettre un jardin aussi. Un puits. Pourquoi pas un puits, un pommier, un arbre, un jardin à maturité. Je vois pas la différence entre là et là, mais bon. C'est pas grave. Alors, niveau poisson. Et si là ce bateau? Conservez dans votre espace de stockage 4 eaux de vie. L'eau de vie, c'est fait à base de ceci. Ah, main-d'œuvre insuffisante. Main-d'œuvre insuffisante. J'ai pas assez de bois. Super. Pourquoi ils sont pas contents, eux? Population mécontente. Ah, j'ai plus de main-d'œuvre aussi pour le bois. Bon ben, je vais fermer. Je vais fermer ça. Pareil, je vais fermer une des deux. Je vais fermer une des deux aussi. Parce que là, il me faut de la main-d'œuvre. En termes de production de bois. Tant pis, ça empiète un peu. Voilà. Il faut que je construise un pub également. Je suis à plus 26, donc pourquoi pas réouvrir mon pêcheur. Je me vois déjà pointer à l'usine. Je suis à moins 6. Je vais continuer à mettre des maisons petit à petit là. En termes de bois, je suis à 99%, 100%, 100%. Pourquoi je suis à 99% ici? Zone disponible, 100%. Ah voilà, c'était peut-être le temps que ça se mette en place. Par contre, pourquoi ils sont mécontents? Vos résidences n'aiment pas la pollution. Ils ont pas de pub. Ils ont besoin de pub. Bah, je veux bien, mais bon. Ce que je peux faire, par contre, c'est mettre un champ de patates ici. Pour le coup. Il veut que je lui livre de l'eau de vie, il est chiant lui. Qu'est-ce qu'il donne les champs? Ils sont vraiment beaux ces champs, pour le coup. Terme de bois. Je manque encore de population. Je me suis trompé là, non? C'est 3 les maisons. Il veut que je lui livre des vêtements, il est pas pénible.
Mon pub, est-ce que je peux le mettre ici? Il empiète dans la zone là-bas. C'est un peu chiant ça. Ou sinon, pourquoi pas. Voilà, ça va tout décaler. Mon temple, pour l'instant, je vais faire péter ces maisons. Parce que le pub, j'aimerais bien l'avoir en centre-ville. Voilà, un petit jardin. Quartier de l'église, je le pousse. Bon, pour l'instant, je sais pas ce que je vais mettre de ce côté. Je vais agrandir la ville de ce côté-là, par contre, ça c'est sûr, j'en ai besoin. Tac, tac. Du bois, du bois, du bois. Faut que je sois en positif au niveau des fermiers. Peut-être un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Retrouvez votre cousine à la tête d'un attroupement non loin du site de construction de la grande exposition d'Edouard. Ça, c'est dans sa ville, mais moi, pour l'instant, j'ai envie d'étendre un peu la mienne, parce que il me manque des habitations. Voilà. Ils sont heureux, ils sont satisfaits. Apparemment, le pub divertit tous les habitants. Par contre, c'est en eau de vie, j'en ai pas assez. Les résidents ont le goût du luxe et de la vie urbaine. La paix, les nouvelles. Ça, je crois que c'est pour la propagande. En termes de besoins, c'est en termes de poissons et de vêtements. Ah, en fait, ça, c'est les besoins primaires. Et l'eau de vie et le pub, c'est ce qui touche à la satisfaction. Okay. Parce que ça, dans les anciens anneaux, ça marchait pas vraiment comme ça. Ce qui me gêne, c'est que j'ai pas assez de fermiers. C'est vachement sympa par contre, hein. C'est vivant. Le marché, je l'aime beaucoup. Les maisons, je les aime beaucoup aussi. En plus, il y a des chemins entre les maisons. Non, franchement, c'est sympa, hein. Pas d'entrepôt à porter. Pourquoi pas d'entrepôt à porter? J'en ai besoin de la route du coup. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de la route jusqu'au bout. C'est dommage qu'ils puissent pas passer directement à travers les quais. Pénurie de main-d'œuvre, oui, je veux bien. Le bilan financier, il est pas bon. Mais bon, pour avoir de la main-d'œuvre, il me faut des maisons. Pour avoir des maisons, il me faut du bois. Et du bois, j'en ai pas vraiment.
C'est quoi ça? Quête. J'ai mon gamin qui adore les pompiers. Quand il sera grand, il veut s'enrôler dans la brigade du coin. Ça lui ferait tellement plaisir si vous lui preniez une photo de la caserne à accrocher près de son lit. Ouais, pourquoi pas. Alors je sais pas du tout comment on fait, mais... prendre une photo. Comment je fais pour prendre une photo? Prendre la photo. Ah! C'est top ça! Fire station. Moi j'aimerais bien avoir que la caserne. Non? Bon, c'est pas grave. Hop là. C'est top ça. Par contre, j'étais pas tout à fait. J'étais pas tout à fait comme ça. Comment je fais pour me tourner? Ah oui, alors espace c'est pour voir directement la map. Donc ça, a priori, c'est le l'ancien monde. Ici, ça devrait être le nouveau monde. Là, côté désert peut-être et Arctique. J'espère qu'on pourra aller partout. Il manque. Le niveau de main-d'œuvre fermier. Donc des fermiers, là a priori j'ai un surplus. Pourquoi est-ce que j'ai un surplus alors qu'avant j'étais en pénurie? Et pourquoi est-ce que je peux pas tourner ma caméra? Ah voilà comment j'ai fait. Ah faut maintenir appuyé mais, mais fort. Hein. En eau de vie, il me faut plus d'eau de vie. Il me faut plus d'eau de vie. Alors pourquoi pas l'étendre vers ici. L'eau de vie, je vais le mettre. Je vais le mettre là. Et mon champ de patates, je vais le mettre ici. Est-ce que le champ doit obligatoirement être adjacent? Ou est-ce que je peux le mettre ici? Non, il faut qu'il soit adjacent, d'accord, très bien. Je peux remettre une rangée là. 69 sur 62. Voilà. Les doubles routes, je les trouve assez sympathiques, enfin, contrairement... aux autres anneaux où elles étaient un peu bizarres, elles étaient un peu bizarres, là ça va. Je vais me remettre des habitations. Voilà. Ici, je peux même mettre un jardin au lieu de mettre une allée. Alors, avec un arbre. Un arbre. Voilà. Ça fait un petit espace vert. Fermier, je suis large. J'en planche pas tant que ça. Ce que je peux faire, du coup, c'est agrandir mes bois. Pourquoi pas? Bon, je verrai comment je vais agencer ça par le futur. Mais bon, il me faudrait plus de planches. Qu'est-ce qu'il a là, l'entrepôt? Ah, c'est en poisson, je suis trop. J'ai trop de poissons, mais je peux pas améliorer mon entrepôt.
peux en rajouter un. Je peux en rajouter un, mais où est-ce que je peux en rajouter un? Vers ici, j'ai quoi? Je vais avoir les carrières. Vers là, pour l'instant, j'ai pas grand-chose, donc je pense que je peux l'ajouter ici. Et oui, pas d'entrepôt relié. Pas d'entrepôt relié, donc l'entrepôt, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Il me faut 10 planches. Il me faut 10 planches. Je vais le relier là. Ah. Et si je trace droit là, ça arrive où? Ici. C'est bon, j'ai mes 10 planches. Hop. Donc je vais pouvoir remettre un compte bûcheron ici. Avec une scierie là. Donc j'ai 3 scieries pour 4 camps de bûcherons, je pense que ça devrait le faire. Je vais finir mes maisons ici. Et je vais pouvoir aller m'occuper de la quête. Waouh. Cette ville, elle est bluffante. D'ailleurs, je vais faire un petit tour. Oh, les chantiers navals et tout. Oh là là, elle est magnifique cette ville. Ça fait vraiment londonien en plus. Avec les usines comme ça, la brique. Là, à la limite, ça fait un petit peu plus parisien. Avec des bâtiments un peu plus haussmanniens. Bon, c'est pas vraiment des bâtiments haussmanniens, mais bon. Ça y ressemble. Là, pour le coup, ça fait plus champêtre. Elle est magnifique sa ville. Ici j'ai le débarcadère. Amarrage public. Elle est vraiment magnifique. Ici c'est le côté un petit peu plus industriel. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jardin, c'est super beau. Site de construction, c'est vraiment très très beau. Avec là l'immense allée qui arrive jusque au grand comptoir. C'est trop beau. Par contre, pour ce qui est de la quête, je veux bien, mais elle est où? À la tête d'un attroupement. Mais il n'y a pas d'attroupement. Pas de troupement. C'est bizarre quand même. Non loin du site de construction. Alors peut-être qu'il n'est pas au site de construction même. Je devrais avoir au moins une flèche ou quelque chose comme ça qui m'indique où le trouver. Qu'est-ce que c'est ça? Une université. Avec les calèches. Et ce bâtiment, un théâtre. Ah, il pleut. La banque, service public. Là, ici, on a le manoir. Et j'arrive toujours pas à trouver l'attroupement. Pourquoi est-ce que je trouve pas l'attroupement?
Ça me chagrine un peu. Alors, est-ce que c'est un bug dû à la bêta ou... Ouais, je sais pas. Culture 2, c'est grâce à mon embellissement. Nature, c'est campagnard. Festivité, il n'y en a pas. La pollution, il n'y en a pas. Vulgarité, c'est dû aux ruines. D'accord. Est-ce que au niveau des besoins... Ouais, je suis bien. Pollution. Y a pas de pollution, faut arrêter. Par contre, j'ai beaucoup trop de fermiers, ils cherchent peut-être du travail. Je peux déblayer les ruines. En cliquant dessus, ça me permet d'agrandir mes champs. Gagner du bois. Je vais pouvoir mettre un entrepôt ici. Pourquoi je peux pas le mettre dans le coin? Ah, c'est peut-être pas fertile. C'est même sûrement pas fertile. Mais je peux mettre un pommier, je pense. Non, d'accord. Voilà. Ça va faire un rond-point. Pourquoi pénurie de champs de pommes de terre? J'en ai pas assez. Comment, je sais pas comment gérer ce problème de champ là. Je vais faire comme ça, on verra bien ce que ça donne. Bon, pour l'instant je vais faire ça, hein. Après, si je mets une résidence, est-ce qu'ils sont trop loin? Non, ça va. Je sais pas ce que je vais mettre ici, on verra bien. Peut-être que je peux vendre.
Les marchands seront achetés et vendus à la hauteur de la limite fixée. Voilà, dès que je dépasse 50. Dès que je dépasse 50 à peu près partout, je vais vendre le surplus de production parce que là, j'ai l'impression que je peux pas stocker plus. Là, je me demande vraiment où est le groupe. Alors, faut peut-être que je fouille toutes les rues pour trouver un groupe de manifestants. C'est étrange, j'ai quand même parcouru une bonne partie de la ville. Je devrais les voir, il devrait y avoir au moins une flèche sur eux, non? C'est étrange. En tout cas, cette ville est vraiment somptueuse, ça c'est ce que je peux en dire, mais il devrait y avoir des manifestants. Vous trouvez votre cousine à la tête d'un attroupement non loin du site de construction de la grande exposition. Ben, il est là le site de construction. Parce que là, ça me bloque. Je vais essayer de recharger peut-être. Je vais sauvegarder la partie Twitch. Je vais aller au menu principal et revenir. Je sais pas si ça a changé quelque chose. Menu principal. Charger la partie. J'espère que ça a passé. Ah oui, voilà, c'est ça, c'était un problème de... Ouvrier en colère dans la ville. Il y en a ici. Ouais, c'est ça, ils avaient pas popé parce que on les voit quand même. Cette foule de gens en colère. Vous avez pas de navire. Et je vais venir vous chercher. Sélectionnez le rédacteur en chef et son équipage dans le port. Ah, ils sont là. Avec les manifestants.
Allez, on est parti. Ben oui, mais on te vole tes ouvriers, mais ils sont pas satisfaits de travailler chez toi. C'est pas un enlèvement, hein, ils sont venus leur plein gré. Ah ben voilà. C'est un beau palais, hein. Ah, du coup ils viennent pas chez moi, ils se créent une nouvelle ville, donc ça me fait des alliés. Non? Un toit, normalement ils en ont un de toit. Hein. Là, avec toutes les maisons que j'ai construites dans la ville, je peux en construire plus, peut-être. J'ai qu'une seule classe sociale pour l'instant, toujours. Améliorer une résidence d'ouvriers. Où est-ce que je peux me faire un quartier d'ouvriers? Ici peut-être. Je commence à plus avoir assez de paysans. Je vais aller faire le tour. Ah, il y a des débris partout. Il n'y en a pas d'autres. Je pense que j'ai fait le tour. Ah si, il reste tout ça. Ouais, il y en avait un bon paquet, hein. Ah cool, du coup j'ai récupéré de l'argile aussi en plus du bois. Des briques. Je vais
continuer de leur faire des résidences. Alors, eux, il leur faut des saucisses, il leur faudra du pain, du savon, des écoles, et en termes de bonheur, ils auront besoin de bière et d'église. Alors, je vais commencer peut-être par construire des briques. Tac. En mettant un petit entrepôt. Voilà. Je peux continuer ici aussi. Voilà, niveau poisson, je suis saturé. Niveau bois. Niveau bois, j'en ai un peu partout à récupérer. Donc, ça, y a pas de souci. Des briques. Ici, il n'y avait rien. Est-ce que ça a augmenté ma capacité? Ça a pas l'air. Il faut 15 briques. Bon bah des briques, ça je vais en fabriquer, ça y a pas de souci. Atteindre 125 ouvriers. Ville portuaire, nouveau statut. L'église, il me faut des briques. Corporation. Ça améliore la production, d'accord. Essayer de faire ça assez droit. J'en ai un là-haut aussi. Ah, j'ai assez de briques peut-être pour les. Ah non, pas pour l'église, je vais améliorer ça. En termes de poissons, ça descend, donc je peux mettre de nouveau un port de pêche. Voilà.
Sinon. Des vêtements, peut-être que j'en ai pas assez. Ce double voie, ça me permet de faire la séparation entre la ville et la zone artisanale, à la limite. Ça peut être une bonne chose. Pour ce qui est des voiles. Ah ben c'est pareil que... Pareil que les moutons, j'avais fait que les habits, j'avais pas fait attention. En termes d'amélioration, j'aime bien que le centre-ville soit un peu plus huppé, un peu plus riche. Avoir les ouvriers en centre-ville et les fermiers sur le bord. Par contre, il leur faut des saucisses, les briques, mais les briques... J'essaie de faire ce qu'il faut pour les briques. Je suis à 100% là aussi. Et là par contre, il me faut un entrepôt. Je vais en mettre un ici. Ça devrait suffire. Voilà. Donc pareil. Tac. Niveau pommes de terre, je peux manquer un petit peu peut-être. Je vais me mettre à l'abri, anticiper. Tac. Par contre, j'ai plus assez de fermiers du coup. Le feu, il est où le feu? Où c'est que j'ai le feu? Ah mince. Ah bah c'est bon, j'ai mes pompiers. Là, ça c'est mes pompiers et des pompiers volontaires, d'accord. Là j'ai mobilisé tout le monde sur l'incendie.
Le pub, ça a l'air d'être bon. Les pompiers, pareil. Le marché, pareil. J'ai juste pas de saucisses. Il me manque encore des fermiers. Ici, je perds trop de place avec ça, faut que je le supprime. Voilà, tout ça va être la place des maisons. Tac. Pareil autour pour les champs, pour les chemins, pardon. Voilà. Et donc là, du coup, tout ce qui me manque, je vais le rajouter ici. Pareil pour là. Soixante-trois sur 72, 72 sur 72, 51 sur 72. Bon, c'est mieux. Je suis bien là. Mes entrepôts, ça dit quoi? En bois, je suis pas trop mal. Pommes de terre. C'est en laine où je manque un peu. Faut plus de laine. Voilà. Bon, je pense que on a pas mal avancé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me le faire savoir en commentaire. Ou vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter. Je pense que... Bon, déjà, je pense que je vais acheter le jeu d'ici sa sortie. Et je pense aussi que je vais faire un let's play dessus. Parce que Anno, c'est un peu comme Tropico. C'est deux licences que j'apprécie énormément. Donc, voilà. Voilà.